Good morgen, allez, Iden et Susra aujourd'hui, il est Elohim Nishmat Richard, Aaron Ben Fortuné Mazal, ainsi que l'Irfoua Tranale Abed Gitel Levora, Sarah Bat Nechama, Efrat, Basara Betor Charchol Israël. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine tune, Misha, contactez les 5 minutes d'éternel, nous avions Maserhet, Shkalim, Perik Gimel Mishnabet, Beshalosh Kupot, Shel Shalosh, Shalosh, Sein, Tormin et Talishka, et Ketuv Bem, Aleph Bet Gimel, Rabbi Shmuel Omer Yevanit Ketuv Bem, Alpha Beta Gamla. Et Natorem Nichnas Lobe Fargod, Chafout, Velobe Minal, Velobe Sandal, ולא בתפילין ולא בקמיה, שמה יעני, ויאמרו מעוון הלשכה העני, או שמה יעשיר, ויאמרו מתרומת הלשכה העשיר. לפי שאדם צריך לצאת ידי הבריות, כדרך שצריך לצאת ידי המקום שנאמר, ויתם נקיים, מהשם ומישראל, ואומר ומצחן ושכל טוב, בעיני אלוהים ואדם. On continue le déroulement de la תרומת הלשכה, à savoir, l'argent qu'on récolte d'Israël, je répète très rapidement maintenant. L'argent qu'on récolte de tout Israël, il arrive, on le réunit au Beth Amidash, à Yerushalayim au Beth Amidash, il y avait une lishka, une cabine spéciale, où là-bas on entassait tout l'argent qui arrive. Maintenant, on a besoin de cet argent, du nouvel argent qui est arrivé cette année, pour les korbanot depuis le début de Nissan, la nouvelle année, donc il faut payer avec l'argent qui est récolté pour la nouvelle année, plus l'argent de l'année dernière. Ok? Du coup, donc on commence à réunir tout l'argent. Au début, depuis Adar, on a diffusé la nécessité de payer le Marseille Shekel. On commence à réunir. Alors, on réunit tout cet argent dans la Lishka. Va rentrer maintenant le jour où on va commencer à avoir besoin de cet argent pour utiliser les corbanotes pour la nouvelle année, donc le premier Nissan, peut-être c'est la veille, je ne sais pas. On va avoir un premier Cohen qui va partir et qui va ramasser de l'argent. Ça s'appelle la Tourmat à Lishka. Il est en train de prélever la Lishka. Ce qu'il va prendre dans le zoo. Il y a une gdoucha spéciale maintenant, c'est ce qui est prédestiné pour les corbanotes, tandis que ce qui est resté, ça s'appelle les shiirei alishka, les restes de la lishka, et on expliquera plus tard qu'est-ce qu'on en fera exactement. D'accord? La Mishnah m'enseigne pour le moment. Sache que quand je te demande de rentrer, de prélever comme ça, de ramasser un seau d'argent justement, donc c'est avec trois boîtes qui font chacune shalosh sein. Elle a un volume de 3 CA. Donc l'équivalent de 144 œufs, vous vous rappelez, selon Escalav Gudo, Eifa, CA, donc c'est lui qui m'intéresse, avec Kavlog, Beitza, et Gimel, Vav, Dalet, Vav, donc on a Vav, Dalet, 6, 36, 72 et 144. On ne s'est pas trompé. Donc chaque seau, il fait l'équivalent d'un volume de 144 œufs, il va ramasser comme ça un seau d'argent, et maintenant il va le prendre. Donc première période depuis le premier Nissan, il va ramasser comme ça pour les Korbanot qui vont venir jusqu'à pendant Pessah et même après. Le deuxième fois, il va faire ça avec l'argent. Il va reprendre l'argent pour les corbanotes qui vont venir depuis Shavuot jusqu'à le prélèvement de Chagatzeret de Sukkot. D'accord? Maintenant, ces coupotes-là, alors, Beshalosh coupotes, avec trois coupotes, Shel Shalosh, Shalosh Shein, qui faisaient chacune 3 CA. Chacune, elle faisait 3 CA, et tu vas le prélever avec trois coupotes, trois caisses, trois tirelires, à trois périodes de l'année. Tourmin et Alishka, donc tu vas prélever l'Alishka. Vekatov Bahem Aleph Bet Gimel, c'est important d'expliquer qu'il y avait écrit dessus Aleph Bet Gimel pour que tu saches quelle a été le problème de la première année, de la deuxième année, de la troisième année. Il y a des conséquences pour l'Alacha qu'on découvrira plus tard dans le prochain Mishayot. Rabbi Shmuel Omer, Rievanit Katuv Bahem. Selon Rabbi Shmuel, ils n'étaient pas écrits Aleph Bet Gimel en hébreu, mais plutôt Yevanit Katuv Bahem. C'était plutôt du grec qui était écrit en eux. Alpha Beta Gamma, donc il faut dire Gamma. Oui, on connaît l'alphabet grec, et on sait bien que le guimel, c'est gamma, alpha, beta, gamma, delta, epsilon, et je ne sais plus, phi. Et voilà. C'était les lettres qu'on découvrait en physique, chimie, en terminale. D'accord? Et en maths. Donc on continue. Yavanit Katoubaï, il fallait écrire à l'alpha, beta, gamma. Maintenant, le Barthénois, il nous rapporte qu'en fait, il y a un pasouk dans Noir, quand le Noir, il a maudit Kenaan, pour ce qu'il a fait après, quand le Noir s'était saoulé, c'était nu. Et elle a fait une bracha à Shem et à Yefet. À Shem, il a dit, chez toi résidera ma shrina. Donc les sémites, c'est chez nous que ça se passe. D'accord? Que ce soit les juifs, ou ceux qui prétendent, c'est les arabes. Et mais en tout cas, c'est donc Yefet, la shrina, elle réside chez Shem, tandis que la beauté réside chez Yavan, et que Yavan, ils ont des belles lettres. Donc en l'occurrence, on pouvait aussi, puisqu'ils étaient sous domination grecque, ils pouvaient écrire avec des lettres grecques, uniquement en grec et rien d'autre. Ok? Et on continue. En Atorem maintenant.
On a fini maintenant avec les trois coupotes. Donc tu as le prévé à trois périodes de l'année. Chacune des coupotes qui fait trois. C'est bon à savoir aussi qu'il y a un Rambam qui explique ça très différemment, mais foncièrement différemment. Qui pense qu'en fait, on va partir prélever la lishka en ramassant dans trois seaux, avec des seaux intermédiaires en fait. On prélève une première fois dans trois seaux, et puis après, à chaque fois qu'on va revenir prélever avec les trois seaux d'un des trois grands seaux. D'accord? Complique un peu l'histoire, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. En atorem nichnas lom. Alors là, maintenant, c'est intéressant. On va découvrir que celui qui va partir prélever le prélèvement, il doit écarter de lui tout éventuel soupçon qu'il vole de la caisse. Du coup, la méchante enseigne. En atorem nichnas, celui qui va prélever ne va pas entrer. Lobe fargod chafout. Ni avec un pargod chafout. C'est quoi un pargod chafout? Alors, il nous dit, en fait, c'était un revers. Ok? Un revers qu'ils faisaient à leur tunique, lorsque la tunique elle était ronde, ils ne devaient pas avoir une tunique où il y a un revers dedans. Pourquoi? De peur qu'il va mettre l'argent, quelques petites pièces. C'est pas qu'on va soupçonner réellement le Cohen, nous, objectivement, qu'on va soupçonner le Cohen qui va voler. Mais c'est que les gens, il faut évacuer, il faut faire attention, évacuer toute éventuelle raillerie plutôt sur le Cohen. On va l'expliquer mieux à la fin de la Mishnah. Donc, le principe en tout cas, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit en position ou en situation où il est possible d'en mettre un peu dans sa poche. Question d'honnêteté, il faut le faire de la manière la plus propre possible. Donc, en atorem nichnas, lo befargot chafut, velo be minal, velo be sandal. Le torem, donc celui qui va prélever le prélèvement, ne va pas entrer ni befargot chafut, ni avec un vêtement replié sur le même, velo be minal, ni avec même sa chaussure, velo be sandal, ni avec sa sandale. Pourquoi? De peur qu'il va peut-être mettre de l'argent dedans. Sous l'œil que personne ne va voir, sous la semelle. Coup bien connu quand on passe la douane, bien sûr. Vélo batéfilin. Et il n'ira pas non plus prélever avec les tefilin sur la tête. J'espère qu'il va mettre une petite pièce entre les tefilin et ça. Et sa tête. Et vélo bécaméa, il ne rentrera pas non plus avec un caméa. Alors, un caméa, c'est une amulette qu'ils écrivent sur un parchemin. Et on accrochait tout ça dans une petite poche fermée sur autour du cou. Du coup. Il va entrer avec le caméa, on va soupçonner que peut-être qu'il va jeter le caméa pour récupérer de l'argent. D'accord? Pour quelle raison on te demande de faire ça? C'est pas que réellement on craint que le Cohen il va voler. Mais à cause des moqueurs. Et il faut se soucier de s'acquitter face à eux, c'est ce que la méfiance enseigne. Chez Mayani, j'ai peur qu'en prélevant, après l'événement, la roue qui va tourner, il va perdre dans ses biens, il va devenir pauvre. Et alors? Ou encore, au schéma, il y a un shir de peur qu'il va devenir riche. Et quoi? Non, j'ai sauté. De peur qu'il va devenir pauvre, ensuite, et après on va dire, ah, c'est parce qu'il a volé dans la coupa de la lishka. Au schéma, il y a un shir, ou bien de peur qu'il va devenir riche, de peur. Donc, après, la roue, elle va tourner en sa faveur, et qu'il va devenir riche, et alors quoi? Après, on commence à dire, ah, il a... Il est devenu riche grâce à la Trouma Talishka, au prélèvement de la Lishka. Soit en deux mots, le Kohen il doit veiller à ce qu'il n'y ait aucun soupçon possible de lui. D'accord? Donc du coup, tu ne rentres pas avec des habits qui ont des revers, tu ne rentres pas avec tout éventuel, tout vêtement ou ornement de toi, où il y aurait éventuellement un risque que tu vas mettre une petite pièce par-ci, par-là, et que quoi? Et alors quoi? Eh ben, peut-être qu'après, il va sortir la lishka, et puis Bidouk, il va avoir un bon mazal ensuite, et il va devenir riche sans rapport direct. Nous, on dira, il est devenu riche, je sais pas pourquoi, parce que c'est lui, tu te rappelles, et quand il est parti prélever, il en a mis un petit peu dans sa poche. Donc, on veut que tu rentres dans sa poche. Ok? Ou bien pire que ça. Soit il va devenir pauvre, après, donc il était riche initialement, et puis après, on va le soupçonner de... Enfin, on va le soupçonner de voler. Il risque de devenir pauvre parce que la roue tourne. Et puis on va se mettre à le soupçonner. Ah, tu sais, il est devenu pauvre parce qu'il a osé voler dans l'argent de la caisse. Donc du coup, pour éviter tous ces éventuels scénarios, alors on va lui demander au Cohen de rentrer de la manière la plus simple possible, sans aucun revers dans son vêtement, et sans aucune possibilité, l'agma elle rajoute sur ça, que s'il était frisé, il pouvait pas rentrer frisé, il fallait, je sais pas, lui couper les cheveux ou lui aplanir. Il y avait encore l'agma, elle nous rapporte même mieux que ça. Quand il rentrait, on lui parlait constamment. Pourquoi? Pour s'assurer qu'il... pour évacuer même l'éventuelle possibilité qu'il ait mis une petite pièce dans la bouche. Et que c'est pour ça qu'il ne veut pas parler. D'accord? Maintenant, quel est l'intérêt de... Finalement, on a des paranoïaques qui vont le soupçonner de toutes sortes de soupçons. Est-ce qu'il faut s'acquitter d'eux? La méchante enseigne, oui, il faut s'acquitter.
faut être propre, même face à eux. Les filles chez Adam, tzarich latzet yedea beriyot, keder shetzarich latzet yedea makom. Parce que l'homme, il doit veiller à rester propre envers son prochain, au même titre qu'il doit se veiller à ne pas transgresser l'ordre d'Hachem. Au même titre. D'accord? Il faut que tu fasses attention quand tu fais une action, à être bien vis-à-vis d'Hachem, bien vis-à-vis des hommes. Chez Nema, comme nous dit le verset, Vitem Nekim, me Hachem ou Israël, comme nous dit le verset, vous serez propre de Hachem et de Bnei Israël. C'est-à-dire, on parle en fait de. Ça, la fin avec l'histoire de Bnegad ou Bnei Rouven qui ont voulu hériter de certaines parcelles d'Israël, qui étaient Mévera Yarden, et Hachem leur a fait une condition, et de venir, qu'ils vont venir, ils vont conquérir tout Israël avec l'homme Israël, et seulement après, ils rentreront chez eux. Et alors la Mishnah, la Torah nous précise là-bas, quand vous tiendrez votre serment, alors vous serez propre Nekim, mais Hachem ou Israël. Propre face à Hachem, mais propre face au Bnei Israël. Donc il y a marqué qu'il fallait même être propre. Au même titre que je vais y être propre face à Hachem, parce qu'il n'y a aucun soupçon que je fasse mal sa volonté, que je fasse les mitzvot comme il faut, je vais faire la même chose envers mon prochain. Véomer, et encore un autre verset qui me dit la même chose. Umtzachen vesechel tov be'ene Elohim ve'adam. Et que le pasouk nous dit encore dans Michelet, dans les Eshetra'il. Umtzachen vesechel tov, et trouve grâce et, je sais pas comment dire, intelligibilité, ou je sais pas, be'ene Elohim ve'adam aux yeux d'Hachem et aux yeux des hommes aussi. Ça réveille, en fait, à pas juste être tzadik face à Hachem, qu'Hachem il va dire mon fils sur la planète Terre, il est extraordinaire, mais même que les autres hommes vont dire cet homme-là, il est extraordinaire, il est honnête, il est droit, il est voilà. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine d'Hatzlacha comme tout, Salah.